Voilà, donc je vais en venir à l'objet de ma présence parmi vous. Je salue les organisateurs et les remercie de m'offrir l'occasion de m'adresser à vous. Je remercie toute l'Assemblée pour la présence massive qui est une manière de s'approprier le jubilé et le colloque de ce jour. Je ne serai pas long parce que il s'agit d'un témoignage. Je ne vais donc pas revenir sur ce que mes brillants prédécesseurs ont exposé. Je ne prendrai pas le risque de les répéter, ni celui de très mal dire ce qu'ils ont si bien dit. Je vais donc me limiter à dire où on en était au niveau syndical et où on en est aujourd'hui et comment, avec les différents DIDEC, nous avons eu à travailler. Dans l'intitulé, ce qui m'est demandé, on parle des enseignants. Dans la salle, il y a le personnel administratif et de service. Vous comprendrez que, n'ayant pas été secrétaire général de leur syndicat, que je n'aborde pas les questions spécifiques à ce corps. Mais je sais une chose, c'est que dans le sillage de ce qui a été fait au niveau du SENES, il y a des actions qui ont, qui les ont atteints. Alors, avant d'en venir au témoignage à proprement parler, je voudrais rendre l'hommage à mes prédécesseurs à la tête du SNES à Thiès. Feu Michel Dembasset, qui était professeur d'anglais à Saint-Gabriel. Monsieur Aloïse Diogombeng, professeur de SVT à Saint-Gabriel. Monsieur Roland Doumdjon, qui était instructeur à Daniel Broutier, et Monsieur Emmanuel Meng, professeur d'espagnol au Collège Saint-Ursule. À notre prise de fonction, nous avons inscrit notre action dans la continuité de l'action syndicale initiée par nos prédécesseurs, à savoir lutter pour l'amélioration des conditions de travail et de conditions de vie des enseignants. Et pour ce faire, notre plan de travail au niveau syndical a été orienté par deux grandes questions. Comment faire pour améliorer la sécurité matérielle de l'enseignant? Comment faire pour améliorer la sécurité affective de l'enseignant? En somme, qu'est-ce qui devait être fait sur le plan matériel, sur le plan du traitement pour les enseignants, mais également pour que la fonction enseignante soit revalorisée par le respect des enseignants, aussi bien par leur hiérarchie que par l'environnement, les parents d'élèves, les élèves, etc.
L'objectif était d'amener l'enseignant en service dans l'enseignement catholique à se sentir bien dans sa peau et dans son milieu, afin qu'il ne passe pas son temps en des comparaisons stériles avec les homologues du public. C'est ainsi que, par le dialogue social, nous avons cherché à amener notre employeur à œuvrer pour la revalorisation de la fonction enseignante en apportant des réponses à ces deux questions. Nous ne nous sommes pas inscrits dans une logique de pyromane. D'emblée, nous avons cherché à instaurer un dialogue permanent avec l'employeur afin que des changements se fassent. L'action syndicale, avant d'en venir à des cas précis, je vais peut-être globalement évoquer certaines situations. L'action syndicale, donc, par le biais du dialogue social, a permis d'éviter des licenciements et même des actions en justice. De même, et en parfaite intelligence avec l'employeur, le syndicat s'est investi par des visites dans des établissements où l'alcool constituait un danger et pour l'enseignant et pour les élèves. Ce que je veux dire ici, ce ne sont pas les enfants qui consommaient l'alcool, comme semble le dire ou l'a dit l'étude qui nous a été communiquée, mais c'est que les enseignants qui s'adonnaient de manière exagérée à la consommation de l'alcool ne faisaient plus correctement leur travail. Et donc c'est en cela que cela constituait un danger pour les enfants, c'est cet aspect-là que nous soulevons ici. Je voudrais profiter de cette occasion pour relire tous nos remerciements à Monsieur l'abbé Ambrastine, malheureusement il est parti, et à Monsieur Pascal Mbaye, les leaders contemporains de nos différents mandats au niveau du SNEX, pour la compréhension et l'acceptation du dialogue social qui a permis de belles avancées. Je parle sous le contrôle de certains qui étaient membres du BEL que j'ai eu l'honneur de diriger, mais je parle également sous le contrôle de Monsieur Mbaye, ici présent. Et je le dis parce que ce dialogue social était une réalité à telle enseigne qu'il a accepté à deux reprises, même trois en réalité, que j'intervienne pour des membres du SINAPEA. Nous avons eu à traiter des questions d'agents de l'ODEC qui n'étaient pas de mon syndicat. Et il a accepté cela et je crois que les crises ont été évitées. Donc, c'est dire combien la facilité du dialogue social a été instaurée au niveau de l'ONECS. Alors, en tant que secrétaire général du SNEX à Thiès, nous allons revenir sur l'amélioration des conditions, c'est une répétition, de travail et des conditions de vie, et de voir comment nous avons cherché avec l'employeur à faire que le travailleur s'épanouisse dans et par son travail. Ce que nous allons dire ne se veut pas
un récapitulatif exhaustif de ce qui a été fait et de comment cela a été fait. Nous avons juste ciblé quelques domaines où il y avait de sérieux problèmes. Dire ce qu'ils étaient à un certain moment et comment les choses ont évolué. Mais avant d'en venir à ces cas précis et spécifiques à Thiès, je voudrais évoquer une difficulté pour le syndicat Senex dans ses négociations. Cette difficulté, c'est l'ONEX. C'est l'ONEX. L'abbé Michel l'a dit, l'employeur au niveau du diocèse, en tout cas au niveau de Thiès, c'est le diocèse. Et pour nous, en tout cas, c'est le déclarant responsable qui est notre employeur. Comme ça, nous l'avons toujours compris. Lorsque nous avons une revendication syndicale, il faut qu'elle se discute au niveau national avec l'ONEX, parce qu'elle doit concerner tous les enseignants de l'enseignement catholique du Sénégal. L'ONEX est composé des différents diocèses et je crois des supérieurs majeurs aussi. C'est une association. Quand nous allons en négociation, le celui du DIDEC de Thiès ne permet pas à ce que une revendication s'applique à Thiès. Il faut le oui de tous les autres DIDEC et je crois celui des supérieurs majeurs avant que la revendication ne puisse aboutir à un accord. Et ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté parce que le syndicat est un, il est national. Nous avons une revendication, elle peut être une, mais la réponse à cette revendication est toujours multiple parce que chaque diocèse se donne le droit d'apporter sa réponse par rapport à cette question. Alors, il faut comprendre parfois que le BED, le secrétaire général du Senex, ne puisse pas donner suite à certaines revendications qui lui sont posées par la base, parce que tout simplement, arrivées au niveau national, elles n'ont aucune chance d'aboutir. Voilà ce que je voulais dire à propos du Senex, de l'ONEX, qui est vraiment très complexe par rapport aux négociations. Pour Thiès, aujourd'hui nous fêtons les 50 ans. Le colloque s'inscrit dans le jubilé. Le jubilé, c'est la fête, mais on n'a pas toujours eu le cœur à la fête. Je vais aborder le cas des salaires. Je ne parle pas de leur niveau désespérément bas. Ça, c'est une question à régler au niveau national. Et comme vous le savez, il y a l'ONEX en haut. Ce n'est pas évident que ça change de sitôt, tant que les choses sont ce qu'elles sont. Je vais juste évoquer un cas particulier qui peut-être n'était pas un cas isolé. C'était les retards de paiement des salaires. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus. Les salaires sont payés à échéance et domiciliés dans les banques. Et je crois que c'est très bien ainsi. Mais il fut des temps, je prends le cas du Collège Saint-Gabriel, où les salaires étaient payés en tranches. Vous venez, on vous fait une avance,
On vous demande de repasser quelques jours plus tard. On vous fait une deuxième avance, parfois même ça allait jusqu'à trois avances. En fait, trois tranches pour avoir le salaire complet. Et la seule réponse de l'employeur, c'était « Vous êtes déficitaire. » Comme si c'était la faute des enseignants, ou en tout cas du personnel. Pourtant, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de mouvement d'humeur lié à cet état de fait. C'est pour dire que on n'a jamais cherché à mettre le feu dans l'institution. Il y avait largement motif à récriminer, à revendiquer ou même à refuser d'aller en classe, tout simplement. Un autre point où également les choses ont bien changé, c'est l'indemnité de logement. Lorsque nous prenions fonction à la tête du CNES, il y avait 163 enseignants. 163. Sur ces 163, il n'était pas 40 à avoir l'indemnité de logement. Et c'était ce que l'on appelait la loi des trois quarts. Autrement dit, vous prenez une maison en location, l'employeur paye les trois quarts pour vous et vous payez le quart restant. Mais ça ne s'appliquait, ainsi que je l'ai dit, qu'à un petit nombre. Et lorsqu'on voit que dans la zone rurale, à cette époque-là, les gens, les enseignants louaient une chambre, parfois une case. C'était 2000 francs, 2500, 3000 francs au grand maximum. Les trois cases de 3000 francs, c'était dit ou appelé indemnité de logement, mais vous voyez que c'est un truc indicible. Vous prenez 2000 francs, les trois cases, c'est 1500, on l'appelait indemnité de logement. En ville, par contre, certains prenaient des maisons jusqu'à 60 000. Ils recevaient 45 000 et payaient 15 000. Et il y avait la grande masse à côté qui n'avait rien du tout. Rien. Avec parfois des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Deux personnes originaires du Mont-Roland pouvaient avoir un traitement différent selon qu'au moment de la signature du contrat, l'un avait donné une adresse à Thiès et l'autre une adresse au Mont-Roland. Celui qui avait donné une adresse au Mont-Roland était considéré comme déplacé et avait l'indemnité de logement. Celui qui avait donné une adresse à Thiès pour qu'on le joigne facilement, simplement, était considéré comme résident à Thiès et n'avait pas droit à l'indemnité de logement. C'était tout simplement injuste, il n'y a rien à dire de plus. Donc, en 2001, nous avons signé un accord pour instaurer la généralisation de l'indemnité de logement. Faire en sorte que tous les enseignants aient une indemnité de logement. Il a fallu d'abord, au niveau national, l'écueil honnête, c'était le collège des dictateurs à l'époque, soit contourné. Et l'apparat pour nous, c'était de demander aux diocèses qui avaient des difficultés pour l'appliquer de différer l'application. C'est le directeur du travail
qui avait présidé les travaux. Il a fallu lui expliquer cette disparité qu'il ne comprenait absolument pas. Et c'est cela qui a permis après que des diocèses puissent traiter la question de l'indemnité de logement en interne. Et donc, de retour de la DAR, nous nous sommes attelés à la tâche et nous avons conclu un accord le 21 mai 2001 pour qu'il prenne effet en octobre. Et pour cet accord, nous avions dû faire des concessions. C'est-à-dire, ceux qui avaient les 45 000 et peut-être des sommes avoisinantes, nous avons signé un accord qui les ramenait à 20 000 francs. Parce que nous avons dit, tous ceux qui avaient 15 000 et plus percevraient 20 000. Et ceux qui n'avaient rien, qui étaient des trois quarts, percevraient 14 000. C'est comme cela que la généralisation de l'indemnité de logement a pu se faire à 10. Ensuite, en 2005, nous sommes arrivés à l'harmonisation, c'est-à-dire à faire en sorte que tout le monde perçoive la même somme. Et depuis lors, d'augmentation en augmentation, c'était à 25 000 d'abord, d'augmentation en augmentation, aujourd'hui, l'indemnité de logement est à 50 000 francs par mois pour chacun. Les choses n'ont pas été simples. Nous avons été agressés par correspondance par ceux qui avaient vu les montants qui leur étaient alloués baisser. Nous avons même enregistré des démissions du syndicat à l'époque, deux. Mais nous avons continué parce que c'était une question de justice. On faisait le même travail. On avait les mêmes difficultés pour se loger dans la ville. Il n'était pas concevable que le traitement soit si différent. Qu'il n'y ait rien pour tout le monde, on peut le comprendre, mais que certains aient de fonction et d'autres rien, par rapport à une question comme celle-là, ce n'était pas envisageable. Voilà donc un peu comment l'indemnité du logement se fait. Et c'est pour cela que le SENEX, sur cette question, a pu, en interne, faire des négociations sans tenir compte de ce qui se faisait dans les autres diocèses. À côté de cela, il y a eu également des actions qui ont été faites. Je parlerai de la POSCA un peu plus loin, mais dans certaines situations où on frisait la déchéance, parce que vraiment, ça n'allait plus du tout. Le DIDEC a accordé des prêts qui ont aidé à construire pour accéder à la propriété bâtie. Mais c'était des cas extrêmes où le SENEX même a dû intervenir parfois. Un deuxième point, c'est la formation. La formation. Elle est indispensable à l'enseignant. Pourtant, ce n'était pas acquis au départ. Beaucoup ont commencé à enseigner juste avec le diplôme académique. La formation initiale n'existait pas ou n'était pas étendu au point que tout le monde passe par là. À l'élémentaire, il y a eu le CFP à Dakar, action que le centre David Boila a continué à Mbour, et c'est vraiment à saluer. Aujourd'hui,
le diocèse de Thiès recrute à l'élémentaire au terme d'un processus. Vous commencez par le prestage. S'il est concluant, vous allez à Bourg, vous recevez la formation. Et si vos résultats sont bons, théoriquement, vous êtes embauché par l'ODEC. Si on regarde en arrière, beaucoup sont entrés en classe sans vraiment savoir ce qu'ils avaient à faire dans la classe. C'était comme ça au début. Et ceux qui étaient chargés de les encadrer, c'était juste les chefs d'établissement, qui pour beaucoup à l'époque avaient en charge une classe, n'étaient pas déchargés. Et donc en réalité, c'est par amour du métier, par abnégation, ou en tout cas par ambition, que les gens ont réussi à être des enseignants chevronnés, des enseignants qui ont permis d'avoir un niveau assez élevé quant aux performances réalisées au moment des examens. Ce n'était pas évident, mais je pense que les gens en voulaient, comme on dit parfois. Au niveau du moyen secondaire, c'était la même chose. Les diplômes académiques, on vous met en classe. Vous êtes un peu perdu au départ. Vous êtes un peu perdu. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui se fait au niveau de la DIDEC est à saluer, puisque pendant un certain temps, on a envoyé des enseignants en formation à l'école normale à l'époque. C'était au milieu des années 80 que ça a commencé, ou au début des années 80 pour être plus exact. Et aujourd'hui, avec la formation à distance, la DIDEC continue à appuyer ceux qui sont en formation. Je crois que c'est un encouragement qui doit inciter vraiment à s'aguerrir, parce que cette formation valorise. Valorise de deux façons. On est mieux équipé ou outillé pédagogiquement, donc plus performant, mais également, c'est cela qui permet d'être titularisé, de gravir les échelons et les grades avec, évidemment, un meilleur traitement. Ce qui est dommage, c'est de rester stagiaire jusqu'à la fin de sa carrière. Il y a des opportunités, il faut les saisir. Un peu plus loin, je reviendrai là-dessus pour l'encadrement par rapport à la préparation aux examens professionnels. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant que, au niveau de l'encadrement, le conseil pédagogique, aujourd'hui, il y en a 5. Entre-temps, il y a eu que les chefs d'établissement sont déchargés de coûts, vraiment. Et je crois que le personnel d'encadrement donc existe. Maintenant, il faut que cela se traduise sur le terrain par un suivi individualisé du travail des enseignants. Comment ça va se faire? Ça, c'est la DIDEC ou le DIDEC qui va peut-être voir, mais en tout cas, ça serait bien que ça se traduise par un accompagnement, toujours pour essayer de maintenir le niveau de performance et des enseignants. Autre chose
c'est la participation à certaines instances de décision. À un moment donné, le leader affectait seul les enseignants. Il était seul, il décidait, un tel voilà, et c'était réglé. Aujourd'hui, les enseignants sont présents par le syndicat au moment de la commission de mutation. Et même dans les nominations, même si le dernier mot revient au délai, le SENEX, le syndicat en tout cas, a la liberté de se prononcer. En tout cas, en son temps, nous l'avons fait. Tout en sachant que le dernier mot revient au décideur, l'employeur. La commission d'avancement au choix également, les enseignants sont représentés. Et le syndicat peut intervenir dans ce cadre-là. Nous avons parlé de la zone rurale tantôt. Il est vrai que l'église, le diocèse de Thiès, a des écoles en zone rurale. Il y a des écoles qui datent d'avant l'érection en diocèse. Mais il y a des écoles qui ont été implantées après la naissance du diocèse. Le milieu rural présentait une difficulté même pour le syndicat, parce que les élèves en zone rurale ne payaient pas la même chose que ceux qui étaient en zone urbaine. Et donc, si la pastorale sociale de l'Église a conduit à construire des écoles en zone rurale, il faut dire que les enseignants ont pris leur part dans cette pastorale en acceptant non seulement de travailler dans des conditions qui n'étaient pas toujours, je l'ai dit, comparées à ce qui était en ville. Si vous logez dans une case, parfois vous êtes frustré. Mais également, cela a fait que, pour beaucoup de revendications, le SENES a accepté que telle ou telle revendication n'aboutisse pas. Parce que tout simplement la situation en zone rurale ne permettait pas peut-être de faire face. Les effectifs ont toujours été importants dans nos écoles parce que la demande est très forte. Et en zone rurale particulièrement, parce qu'une école pouvait polariser plusieurs villages en l'absence d'école publique. Ces effectifs pléthoriques, en 2007, ont poussé à créer une prime ou une indemnité. Mais avant cela, les classes étaient bondées. Il n'y a jamais eu de récrimination de la part de ceux qui tenaient ces classes. Aujourd'hui, vous êtes à 50, vous vous en plaignez. Vous êtes à 55, vous vous en plaignez. Les élèves sont trop nombreux. Beaucoup de ceux qui nous ont précédés, en tout cas beaucoup, ont eu à gérer des effectifs dépassant 60 sans se plaindre. Et je ne suis pas sûr qu'ils ne faisaient pas bien leur travail.
Donc à ce niveau, bon, peut-être qu'on se pose des questions, surtout qu'aujourd'hui, à partir d'un certain seuil, que ce soit à l'élémentaire, au moyen ou au secondaire, il y a une indemnité qui est versée pour les effectifs pédagogiques. Alors, au niveau de l'accès à la propriété bâtie, parce que on peut l'appeler à l'indemnité de logement, ce souci a conduit à créer la COSGA, la coopérative d'habitat Saint-Gabriel, parce qu'en fait c'est là-bas que nous avons trouvé des oreilles favorables pour que ça démarre. Ça aurait dû être un démembrement du SENES à l'époque. De petites incompréhensions ont fait que c'est parti d'une école. Son objectif, c'était, en fait, l'objectif à terme, c'est-à-dire au bout, c'est accéder à la propriété bâtie. Aujourd'hui, les adhésions se continuent, mais peut-être qu'il y a encore une pédagogie à faire à ce niveau pour que l'objectif, accéder à la propriété bâtie, soit le véritable motif d'adhésion. Acquérir un terrain à usage d'habitation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La COSGA, à un moment donné, a bénéficié par le biais du SENEX, parce que nous étions en négociation pour l'augmentation de l'indemnité de logement. La réponse qui nous avait été servie, c'était ce n'est pas possible d'augmenter l'indemnité de logement. Ou alors, prenez telle somme et répartissez-la pour tous les enseignants pour l'année. Nous avons fait rapidement le calcul, parce qu'il y en a qui dans la salle étaient là. Ça n'aboutissait pas, ce n'était pas une augmentation susceptible de calmer les gens. Et nous avons accepté une subvention de 12 500 deux années de suite que le SENEX a intégralement reversé à la COSGA, mais toujours dans cette perspective accéder à la propriété bâtie. Le SENEX ne gère pas la COSGA, c'était juste signalé qu'en marge des négociations pour l'indemnité de logement, il y a eu un coup de pouce à la COSGA. Un autre problème que nous avons eu à vivre, c'était la prise en charge médicale. Aujourd'hui, les choses sont simples, peut-être même trop simples. Ce n'est pas pour m'en plaindre, non. Mais c'est juste pour mesurer les écarts. Nous avons connu une période où nous n'étions pas admis à Saint-Jean-de-Dieu, l'hôpital catholique. Nous étions de l'enseignement catholique, mais on nous refusait l'accès à l'hôpital. On ne nous soignait pas à l'hôpital, parce que l'enseignement devait quelque chose à l'hôpital. Et ça a duré quelque temps avant que la situation ne soit réglée. Il fallait s'organiser pour se prendre en charge lorsqu'on était malade. Quand on voit aujourd'hui ce que l'IPM permet,
on comprend que du chemin a été fait. Aujourd'hui, non seulement à Saint-Jean-de-Dieu, mais dans les cliniques, dans les cabinets, dans les laboratoires d'analyse, il suffit juste de présenter votre carnet d'IPM pour être traité ou servi dans les pharmacies. Vous ne déboursez rien dans un premier temps. C'est dit, parce que je m'étais promis de ne pas répondre, que des sacrifices ont été faits et consentis. Parce que jamais nous ne sommes allés en grève. Jamais nous n'avons attrait le didet à l'inspection du travail ou ailleurs. L'IPM, évidemment, est né des efforts conjugués des différents syndicats et de l'employeur. Nous avons voulu une autonomie à Thiès, parce que ce qui nous était proposé, c'était de nous affilier à Dakar. Nous avons choisi une autre voie, il fallait oser cela, parce que nous n'étions pas très nombreux. Quand l'IPM démarrait, je pense qu'on était dans les 300 et quelques. C'est par la suite, et dans une option solidaire, que nous avons permis des affiliations au niveau diocésain, notamment la procure qui couvre les structures diocésaines, mais également au niveau syndical, parce que nous avons accueilli l'ODEC de Kaolack. Et cela, parce que c'était une très forte recommandation au niveau du SNES dans une réunion nationale où nous pensions créer l'IPM. Au début, il était question de créer une seule IPM au niveau national. Dakar a fait cavalier seul, peut-être pour résoudre des problèmes internes, et a voulu qu'on se rallie. Nous avons choisi de voler de nos propres ailes. C'est un outil très précieux pour les membres participants et pour les ayants droit. Mais c'est un outil à préserver. Je pense que tout le monde sait quels sont ceux qui sont pris en charge par l'IPM. Quels sont ceux qui peuvent être pris en charge par l'IPM. Il faut s'en tenir à cela. Je vais le dire, j'ai été saisi par un pharmacien parce qu'il voyait une irrégularité quelque part. Que chacun se revoie par rapport à la chose. Donc, les actions que nous avons menées pour revaloriser la fonction enseignante, je voudrais revenir sur la fête des retraités. Lorsque nous prenions fonction à la tête du SNES, quand quelqu'un allait à la retraite, il allait dans le bureau du DIDEC, qui lui remettait une enveloppe en cadeau, et il partait chez lui. Et c'était fini. Ça s'arrêtait à cela. C'est nous qui avons demandé que la fête des retraités soit, que les retraités soient célébrés par une fête. Il y avait eu des épisodes avant, et vite oubliés.
Nous avons demandé que dans la revalorisation de la fonction enseignante, que l'employeur remercie publiquement ceux qui avaient consacré leur vie à travailler à l'enseignement. Et pour ce faire, nous avons presque contraint les enseignants à cotiser. Et les enseignants étaient les plus gros contributeurs. Lorsque la fête des retraités a repris, c'était le Senex et le Sinapea qui organisaient du début à la fin. Tout était entre les mains des syndicats. C'est dire l'importance que nous avons accordée à la chose. C'est bien qu'elle continue, quelle que soit la forme adoptée, pourvu que publiquement l'employeur remercie ceux qui vont à la retraite. Je crois que sous cet angle-là, l'objectif a été atteint. Alors, on va quand même essayer non pas de dresser des perspectives, mais peut-être susciter simplement un peu de réflexion sur quelques points. Nous avons parlé de la formation, c'est un impératif pour l'employeur, mais également pour l'employé. Et je crois que cela participe pour l'individu d'avoir plus confiance en soi et surtout de ne pas se sous-estimer par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il est. Et à un moment donné, nous avons même, lorsqu'on a une parcelle d'autorité, on doit peut-être se préoccuper de servir l'institution en se mettant au service des collaborateurs et des élèves ou des usagers d'une manière générale. On ne doit pas se préoccuper de régner parce que le chef n'est pas exemple d'amour du prochain ou de service du prochain. Pour cela, je reviendrai sur les demandes d'explication délivrées à tour de bras. Et peut-être même parfois la saisine d'un huissier au fin d'un constat. Jamais nous ne prendrons l'impunité, l'indiscipline. Nous ne cautionnerons des manquements graves tels que décrits dans la convention collective. Pour autant, lorsque quelqu'un est en faute, on peut avoir une approche humaine de la chose pour discuter et faire bouger les lignes. Alors, je crois que ceux qui ont la lourde tâche de diriger des équipes, essayer de créer le meilleur climat de travail avec vos collaborateurs. Nous disions il y a de cela quelques années que, à défaut de s'aimer, parce que c'est un idéal, à défaut de s'aimer, on peut créer des relations intelligentes de travail. Parce que c'est ça qui nous réunit parfois en un lieu donné. Toujours pour revaloriser la fonction enseignante, même si c'est au niveau national que cela peut se faire, créer une indemnité d'enseignement serait quelque chose de normal.
parce que c'est pour marquer la spécificité de la fonction enseignante. Il est vrai que lorsqu'on a de bons résultats, c'est l'enseignement catholique, c'est l'école Saint-Gabriel, Daniel Broutier. Mais quand il y a de mauvais résultats quelque part, les doigts sont pointés exclusivement sur les enseignants. On ne le reproche pas au personnel administratif et de service. C'est parce que je parle des enseignants, ce n'est pas pour dévaloriser leur rôle ni leur fonction, mais c'est pour dire que enseigner, c'est une fonction spécifique. Et à ce titre, cette indemnité serait vraiment bienvenue. Autre chose, par rapport à l'institution, ce sont les impératifs de ponctualité et d'assiduité. Les impératifs de ponctualité et d'assiduité. Toujours en référence aux enseignants. Le retard d'un enseignant, c'est tout de suite un reproche. Parce qu'on sait qu'il doit s'occuper des enfants, et s'il n'est pas là, les enfants font du bruit, ou en tout cas personne ne s'en occupe. Donc, tout de suite, il faut être à l'heure, tu n'as pas le droit d'arriver en retard, etc. Si cet enseignant voit que par ailleurs, les autres composantes peuvent arriver en retard, il est frustré. Qu'on le veuille ou non, il est frustré. On exige de lui d'être à l'heure, on ne l'exige pas des autres, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ce sont des impératifs qui ne se négocient pour personne. On a parlé du contrat de travail. Il est stipulé que vous devez être au travail à 8 heures. Vous devez être au travail à 8 heures. Que vous entriez en classe ou non, c'est à 8 heures que vous devez être au travail. Je ne cherche à froisser personne. C'est un principe lié au contrat de travail et à l'institution ou à l'entreprise. Parler à un moment donné de l'accompagnement des enseignants pour préparer les examens professionnels. Je ne reviens pas là-dessus. Je reviens sur une question, c'est la note qui est donnée, la note administrative. À un moment donné, le chef d'établissement notait ses agents. Tout seul. Parfois même, des chefs d'établissement ont fait signer les rapports administratifs avant de mettre la note. Et après, ils ont saqué. En son temps, nous avions écrit pour demander que personne ne signe un acte administratif où la note n'était pas portée au BIC. Et nous avons, à l'expérience de la responsabilité, vu combien il était difficile de noter quelqu'un. Et avons sollicité qu'il y ait une commission, notamment pour ceux qui étaient, on dit promouvables, je ne sais pas si le mot existe en français, ce qui devait bénéficier de l'avancement au choix. Nous avons demandé qu'il y ait une commission pour la visite de classe et que cette note soit déterminante
et non pas la note du directeur qui pouvait être très subjective en fonction des relations qu'il avait avec les uns et les autres. Je crois que la chose se fait toujours. En tout cas, il n'y a aucune raison pour qu'on revienne en arrière par rapport à cette question. Parce qu'il est plus objectif que 3 ou 4 discutent et attribuent une note plutôt qu'un individu omniscient distribue la note. Monseigneur n'est pas là, mais le délégué épiscopal à l'enseignement et le didet, qui est également son représentant, le 13 août 2013, nous avions dit que nous attendions, c'était le Senex, que nous attendions de Monseigneur qu'il offre un ou des billets pour le pèlerinage aux enseignants. Au regard du travail qu'ils font dans les écoles et singulièrement pour le travail de catéchisme qu'ils font dans les écoles. C'était en 2013. Il avait promis de réfléchir à la question. Vous pouvez lui rappeler ça. J'en viens à nos pratiques, et ça sera sans doute le dernier point. Ce sont les groupes particuliers. L'abbé a parlé de justice d'équité. Revoyons nos groupes particuliers. Lorsque nous avons 60 élèves, nous dispensons un enseignement. Après, nous avons 10, 15, 20, peut-être un peu plus, que nous reprenons en cours particulier. On peut se poser plusieurs questions à ce niveau. Je vais prendre un exemple en français puisque je connais l'horaire. J'ai 6 heures de français avec ma classe. Je fais mes 6 heures dans la semaine. L'élève ne comprend pas. Je le prends un mercredi après-midi. 2 heures de temps, il comprend et il a de bonnes notes. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que mes 6 heures ou pendant mes 6 heures, je fais le travail sérieusement? Si je le fais sérieusement, je n'ai pas besoin de le reprendre en cours particulier. Si je ne le fais pas sérieusement, il y a un problème personnel à régler. Parce qu'on n'a pas le droit de sacrifier les enfants d'autrui. Il y a à côté des élèves qui peuvent payer les cours particuliers, ceux qui n'ont pas les moyens de payer les cours particuliers. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on place la remédiation dans son travail pédagogique? Où? Parce que si on est payé, ce n'est plus de la remédiation. Un autre aspect qui nous a toujours heurté dans les cours particuliers, et je prends pour témoin Monsieur Pascal Maillet. À un moment donné, les cours particuliers étaient interdits dans les écoles. Nous sommes allés le voir pour que l'interdiction soit levée. Pourquoi? Nous partions du fait que si moi, enseignant, je me déplace jusque chez l'élève, un gamin qui est assis chez lui. C'est moi qui fais je ne sais combien de kilomètres ou de mètres pour aller chez lui sous le soleil, je ne sais, sous la pluie peut-être.
cet enfant, comment il me perçoit par rapport à ses parents qui me paient? Comme un employé, qu'on le veuille ou non, je suis l'employé des parents. Parce que c'est moi qui me déplace et qui vient vers lui. L'employeur et les représentants pour voir chaque fois qu'il est possible de faire quelque chose pour améliorer le traitement de ceux qui travaillent, que cela soit fait. Nous remercions également le travail qui a été fait pour la réhabilitation des bâtiments, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment difficile. Le DIDEC actuel, en son temps, a conseillé ecclésial, c'était ça, délégué épiscopal au niveau de l'enseignement, nous a demandé de ne pas aller jusqu'à, parce que j'avais dit que si les toitures des classes à Singapour n'étaient pas refaites, que j'allais demander aux enseignants de ne plus entrer en classe. Et il est intervenu pour dire non. Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'écoles ont bénéficié de rénovations ou de nouvelles constructions et cela offre un meilleur cadre de travail. Ça également, ces efforts-là sont à apprécier. En tout cas, merci. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Je crois avoir été beaucoup plus long que je pensais. Je crois que ça a été utile. Merci donc pour le témoignage sur le chemin parcouru par le syndicat et comment en fait ce dernier a joué un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie et d'existence, toujours à travers le dialogue social dans différents domaines que vous avez eu à énumérer, mais aussi les difficultés rencontrées. Et vous avez pu terminer vos propos par bien sûr des conseils et des perspectives. Merci encore pour les trois intervenants. Le colloque donc prend sa fin, mais avant l'ouverture des débats, M. Florent a une information à passer, s'il vous plaît. Merci, M. Bernard. Donc, chers participants, dans vos classeurs, il y a... Sans plus tarder, nous allons en fait ouvrir le débat. Et pour une meilleure organisation de ce dernier aussi, il y a une liste donc de 5 intervenants qui sera ouverte. Après la réponse des conférenciers, nous en ouvrirons une autre, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, s'il vous plaît... Florent, est-ce qu'on peut avoir bien sûr le micro dans la foule? Voilà, je voudrais vraiment remercier les exposants pour la qualité vraiment de votre travail. Et vraiment, je pense que les exposés sont de qualité également. Moi, je voudrais faire une petite contribution seulement pour montrer que presque tous les exposants ont évoqué le problème de la qualité de l'enseignement, qui a au bout, bien sûr. Mais moi, je voudrais axer sur mon intervention sur le devoir d'accompagnement de l'État, qu'on appelle par les subvention de l'État. Hein? Lors de l'inauguration du siège de l'Office de Césaire, l'Office national du MAS, on avait dit que le ministre en question avait donné que l'enseignement catholique avait su capter 1,3 milliard que l'État donne au privé de façon générale. Bon, c'était pour dire que bon, c'était beaucoup, 500 millions. Ils pensaient que c'était beaucoup. Moi, je me dis que c'est beaucoup, mais c'est très peu à la fois. C'est très peu par rapport aux subventions qui sont données au public, par rapport aux fonds immenses. Des milliards qui sont versés dans le public. Mais nous sommes des contribuables. Nous avons le choix de choisir les contribuables de notre enfant.
fait comme ça. Pour autant, on ne doit pas nous éliminer quand il faut faire des rétributions pour ce qu'on appelle subvention. Non, on n'a pas le droit de nous mettre à l'écart. Mais c'est tout comme 500 millions, qu'est-ce que cela représente pour toutes les écoles du privé du Sénégal, du catholique. C'est ça que nous avons su capter. Mais vous voyez que si on parle de cette qualité-là, dans beaucoup de cas, au début, certains parents contribuaient en nature, c'est-à-dire on donnait une sorte du mil, de la racine, ou bien du pain de sèche, que sais-je, et que le directeur était chargé de transformer en ressources financières. C'est pour dire encore une fois, ce n'est pas l'Église fait une option préférentielle pour le pauvre. C'est ça qui a permis que dans beaucoup de cas, que dans des zones très reculées, qu'on puisse faire créer des écoles. Mais ce que vous voyez, cela a un coût. L'État a le devoir impérieux d'accompagner. Et je pense que c'est ça, ce message-là que je voudrais livrer aux représentants de l'État qui sont encore là, ou plutôt qui ne sont pas encore là, mais qu'on devait essayer de tout faire pour qu'on revoie cette subvention-là, ce qui est digne de cette subvention. Vraiment, je pense que c'est un peu ce que j'avais à dire. Je vous remercie vraiment pour la qualité du travail qui est en train de se faire. Mais que ça puisse, qu'on puisse avoir vraiment le travail, une fois que cela est stabilisé, qu'on puisse nous le retourner. C'est ce qui manque dans le travail depuis le jubilé du diocèse, nous n'avons pas encore reçu ce que vous avez promis. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Par rapport à cette question, nous sommes tous conscients de cette injustice qui est faite à l'école, mais nous ne perdons pas de vue que notre employeur n'est pas l'État. Et c'est ça la difficulté. Ce sont nos employeurs qui devraient, sur ce chapitre-là, interpeller l'État. Mais les enseignants, ou en tout cas le personnel de l'ONEX, ne peut pas directement interpeller l'État. Nous avons en son temps fait un forcing, c'était la marche organisée à Dakar. Mais nous avons fait la marche. Les écoles catholiques étaient fermées. L'État, au moment, en a pris acte et a convoqué les DIDEC. Ce sont les DIDEC qui sont ses interlocuteurs. C'est bien d'évoquer la question. Je crois que c'est à un autre niveau, peut-être avec les évêques, je ne sais pas, que le combat doit être mené. Il ne le sera pas directement par le personnel, sauf par des actions comme ça, mais elles peuvent ne pas vous dire. Merci, M. Dion, pour les éclaircissements apportés. Une rencontre comme celle-ci, parce que cela fait, en tout cas, belle lurette. On parle de jubilé d'or. Mais c'est un jubilé, il faut le comprendre ainsi, pour la direction de l'enseignement catholique et non de l'école catholique. Parce que sur ce que j'en sais, nous avons fait le primaire avant 69, donc nous étions dans l'école catholique. Donc il faut qu'on précise, depuis en tout cas, que Thiès est devenu diocèse. Donc ne comprenez pas seulement l'école a 50 ans, mais l'école a plus de 50 ans. Ça, c'était une parenthèse que je voulais quand même éclaircir. Donc, je me révèle, en tout cas, je suis très content de cette situation. On discute des problèmes de l'enseignement catholique. Je pense que c'est ce qui va, en tout cas, faire que ça aille mieux. Et sur ce que Joachim a pu dire, moi, je suis un exemple patent. J'ai quitté la maison, on m'a mis dans une classe sans avoir fait aucune préparation.
J'ai quitté la maison après avoir eu mon BFM. J'ai attendu 3 ans à la maison et un beau jour, je suis allé à l'école. J'ai commencé le clan. Heureusement que j'avais trouvé sur place et le cahier de préparation de mon prédécesseur. Je prenais ce cahier, je le corrigeais un peu et je m'aventurais à exercer. Je n'ai pas fait de formation. Et en tout cas, vu ceci, je pense que j'ai été me former moi-même. Et au bout de 9 ans, j'avais presque tous mes diplômes. Parce que j'en voulais. Mon premier salaire, c'était 31 900. Je me rappelle très bien. En 1977. Donc 31 900, c'est pas ce que le jeune enseignant perçoit maintenant. Et en tout cas, vraiment, je respecte vraiment ceux qui ont eu le pouvoir comme moi de vouloir aller plus loin. Et ça, je ne me suis pas ménagé. Au bout de 9 ans, j'ai eu le CAP, parce que j'en voulais. Et je me rappelle le dernier inspecteur départemental, c'était toi, il m'avait dit candidat potentiel au CREIA. Je pouvais aller, parce que quand j'avais eu mon CAP, j'avais 30 ans. Je pouvais aller dans le public. Et j'étais même, en tout cas, beaucoup luttaient pour que j'aille dans le public, pour pouvoir continuer. Mais moi, j'ai préféré rester dans le privé parce que je pense que j'avais une dette envers l'Église. Et cette dette m'a fait que je n'ai pas été dans le public parce qu'il nous fallait payer en quelque sorte ce que l'Église avait fait en moi. Donc, en tout cas, je remercie l'Église, je remercie les enseignants. Ils ne sont plus comme, en tout cas, ceux qui nous vouaient dans le temps. Mais croyez en la chose et elle va marcher un jour. Je vous remercie. À largement parlé là-dessus, beaucoup d'efforts, bien sûr, ont été faits pour que les enseignants soient beaucoup plus performants. Pédagogique en charge de la petite enfance, au niveau de la direction de l'enseignement catholique de Kies. Je voulais saisir ce moment pour rendre grâce à Dieu, comme le jubilé nous y invite, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, rappelé, jubilé, c'est rendre grâce à Dieu. Merci Abel pour le rappel, mais je pensais aussi une manière de rendre grâce doublement, parce que ceux qui ont vécu de 89 à aujourd'hui ont aussi reconnu ce que les anciens ont fait d'eux. Et tout confondu nous amène tout simplement à rendre grâce pour tout ce qui a été fait au niveau de l'enseignement catholique. Mais aussi saisir cette occasion pour dire merci à tout ce qui a été fait dans le secteur où j'évolue, le secteur du préscolaire, qui a été présent et absent ce jour. Présent parce que je pense que, comme tout le monde le sait ici, a bien sa place dans le système. Absent, on n'en parle pas beaucoup. Et aujourd'hui, il est question de voir un peu ou de jeter un regard sur 50 ans. Après 50 ans, on a eu quand même des éducateurs des écoles préscolaires qui étaient là, qui ont fait du chemin et qui sont aujourd'hui là. Et la question est de savoir quelles deviennent ces écoles-là. Et à ce moment, je voulais, avant d'interpeller les collègues, remercier les qui ont eu à cheminer à vivre et qui ont posé des actes concrets. J'ai commencé avec feu Jacques Miol,
Dieu. Et c'était heureux qu'au niveau national, on prenait Thiès comme modèle. C'était président. Ça, c'était avec Feu Jacques. Avec Ambroise Dugoni, il a confirmé. Pascal a mis sa main. Il a élargi. La pépière aille, actuellement, il travaille jusqu'à inscrire dans notre mission, lettre de mission, une grande place à réserver à l'intégration des établissements pastoraux. C'est heureux. Pour ça, je vous rends grâce à Dieu. Cependant, je voudrais quand même interroger les autres organes qui réfléchissent sur les conditions de travail et d'existence. Des fois, je ne sens pas le syndicat par rapport à cette couche qui a quand même tant besoin de conditions de travail et de se revaloriser. Je ne sens pas. Je ne sens pas le collectif des enseignants, cette grande famille. Je ne sens pas du tout, on dirait que le personnel est. J'aimerais bien quand même que l'on soit membre actif de cette grande famille. Parce que nous avons à contribuer, nous contribuons, nous avons aussi notre père Pierre à mettre aussi là-dedans dans la construction de cet édifice. Je pense la réflexion destinée, ou en tout cas partagée, à tous les acteurs quand même qui évoluent au niveau de l'éducation. C'est vrai, ça a fait son chemin, il y a eu des hauts et des bas, mais demeure aujourd'hui un secteur, un maillon en tout cas, à ne pas négliger, important. Et les gens se sont donnés dans ce secteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? En son temps, il était question de commencer la réflexion. Malheureusement, il y a eu beaucoup de ruptures. Et à chaque fois, on s'est inquiété de l'état, de ce que deviendraient ces éducateurs. Aujourd'hui, le moment est venu, anxieux, ne sachant pas ce qu'ils vont devenir après 2 ans, parce qu'ils vont à la retraite, avec 0 francs. On parle aujourd'hui de hausse d'indemnité, c'est beau. Mais pensons à ceux qui n'ont pas de salaire et qui s'attendent. Ah, j'aimerais bien interpeller aujourd'hui. Pas pour dire, comme je disais, mais pour qu'ensemble, nous nous mettons aussi à réfléchir, pour que nous tous, nous soyons prêts à s'engager dans cette belle mission de l'éducation. Merci en tout cas aux différents directeurs, comme j'ai eu à le dire. Mais merci la réflexion, pour les sujets abordés, qui nous permettent aussi un peu de nous interroger, de voir un peu qui sommes-nous et qui devons-nous être dans ce monde en nouveau. Merci beaucoup, je vous remercie. Madame Mérégovis, je crois que je me présente. C'est M. Daniel Babchi, conseiller pédagogique, en charge de l'enseignement élémentaire et rattaché à la zone pédagogique de TSD. Cette présentation, c'est un peu pour dire à M. Lord que nous sommes en train de nous organiser pour bien mener l'encadrement, le suivi encadrement au niveau des écoles. Donc, un encadrement de proximité. Voilà. Donc, depuis ce matin, nous sommes en train de vivre un moment très important. C'est pourquoi je voulais vraiment saluer la présence de ces conférenciers qui nous ont permis de faire un retour aux sources. Oui, c'est une véritable démarche. Hein, comme le Lamantin, nous sommes allés puiser à la source. Et aujourd'hui, nous avons entendu de bonnes choses sur notre structure et le REC. Une structure qui participe quantitativement et qualitativement vraiment aux performances au niveau du Sénégal, notre nation, notre pays. C'est pour dire qu'aujourd'hui, bien qu'on soit une école voilà, qui tend vers l'excellence à cause des résultats scolaires
que nous offrons à l'État sénégalais. Aujourd'hui, des rappels ont été faits par les conférenciers. Et je commencerai par l'abbé Genève Meissa. En tout cas, merci de nous avoir permis de retourner à nos valeurs. Voilà, pour vraiment voir quelle est notre identité d'enseignant. Car nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons une spécificité, nous avons des valeurs à développer. Nous avons en plus de l'instruction une éducation aux valeurs qu'il faut transmettre. Et merci également de nous rappeler que l'école est un espace où il faut développer le vivre ensemble, où tous les acteurs doivent conjuguer, voilà, conjuguer leurs efforts pour développer l'enseignement, l'éducation. Merci pour l'appel à la collaboration, tout à fait. Vous avez pointé du doigt cet aspect qui est important dans nos structures. Quand on dit équipe pédagogique, c'est l'appel à la collaboration. Merci également, et l'abbé Michel y est revenu, sur certaines valeurs que vous avez, mises dans notre corbeille. Parce que nous allons apporter tout cela. L'éducation à la justice, l'éducation au travail de qualité. Voilà. Et vous avez dit, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas baissé les bras. Parce qu'aujourd'hui, ce colloque va ouvrir beaucoup de perspectives, comme l'ont dit certains conférenciers. Et je remercie également l'abbé Michel, parce que vous nous avez donné des valeurs à cultiver. La justice, l'équité, c'est très important. La vérité, oui, et vous avez précisé, dans la charité, oui, même si c'est difficile, il faut dire la vérité. La solidarité de corps qui manque, le sens du sacrifice, et ça, c'est heureux qu'il y ait des anciens qui sont là, pour montrer vraiment le chemin parcouru. Donc, ça va servir de bienfaits aux jeunes qui sont là. Donc, chers jeunes, enseignants, donc, cultivons ce sens du sacrifice, de la retenue, de la pudeur, de l'ouverture. En tout cas, merci pour ces valeurs que vous nous permettez de transporter dans nos différents établissements pour les multiplier et les développer. Une question à Abbé Michel. Abbé Michel, dans votre intervention, vous avez fini voilà, par peut-être interpréter la vérité et vous avez dit qu'il y a une absence d'organe de contrôle. Je voulais que vous reveniez pour nous dire, voilà, parce que je n'ai pas tellement compris, qu'est-ce que vous voulez dire par absence d'organe de contrôle. Interpeller également M. Diol par rapport à la demande d'explication. C'est vrai. Souvent dans les écoles, quand on demande une demande d'explication, c'est le tollé. C'est le tollé. Mais une demande d'explication fait partie. De la gestion d'une école. Quand on donne une demande d'explication, c'est pour que les gens puissent s'expliquer sur un état de fait. Donc je pense qu'il n'y a pas de peur à la demeure. Il n'a qu'à répondre que maintenant, le directeur est chargé d'analyser le bien fondé de ses propos. Il n'y a que ça. Donc je dis aux enseignants, si on vous donne une demande d'explication, répondez sans créer de problème dans vos écoles. Voilà, je vous remercie. Je ne pense pas avoir dit absence. Mais je pense dire léthargie, l'organe de contrôle de l'ONECS est en léthargie depuis plus de 2 ans. L'abbé Pierre-Aïe, je le prends pour témoin. C'est le COGEDE, précisément. C'est l'organe de contrôle de la voie. Et normalement, certaines opérations financières ne pouvaient pas être effectuées sans l'avis du COGEDE. L'avis, c'est plus qu'un avis même. C'est l'autorisation. Mais ce COGEDE est en léthargie. Et normalement, c'est l'abbé Jo, je crois, qui est le responsable du COGEDE. Il ne connaît même pas son père de chef. Il a été nommé depuis octobre. Nous le comprenons. Maintenant, par rapport à la demande d'explication, la question ne m'est pas adressée, mais je suis intéressé par la question. Avant toute demande d'explication, demande écrite, il faudrait qu'il y ait un dialogue d'abord.
il faudrait que le directeur et l'enseignant puissent se parler d'abord. Une fois, deux fois, trois fois. Au moins. Maintenant, la demande d'explication vient que pour couronner ces entrevues, ces tête-à-tête. C'est pour qu'il y ait une traçabilité des fautes commises. Parce qu'on ne demande, une explication qu'après la commission d'une faute à répétition. À répétition. Et je pense que Marie-Lucienne serait bien placée pour vous expliquer tout ça. La démarche administrative à avoir dans notre corps, c'est important. Sans l'administration, que des conflits. Un climat social délétère. Et je ne pense pas qu'à la DIDEC qu'il y ait un climat social délétère. Merci à vous. C'est là. J'ajouterai simplement à ce que l'abbé Michel a dit, qu'il ne s'agit pas de ne pas donner de demande d'explication, mais que ce ne soit pas le mode de gestion lorsqu'il y a des difficultés. Le recours systématique à cela va forcément altérer la relation de travail. Parce que la demande d'explication, effectivement, vous êtes supposé être en faute. Selon votre réponse, mais la logique, c'est que si vous êtes en faute maintenant, il y a une procédure administrative à suivre. Alors que, ainsi que l'a dit Abbé, peut-être quelqu'un peut être en faute. Vous dialoguez avec cette personne et vous réussissez à l'amener à ne plus commettre cette faute. C'est cette démarche-là que nous voulons privilégier dans l'approche de la faute. Mais effectivement, s'il y a récidive, les procédures administratives doivent suivre. C'était le sens de notre propos. Mac Faye, je suis le directeur de l'école Saint-Charles-Louanga de Kemoussa. Pour un premier temps, je remercie le comité scientifique du jubilé de l'ONECS qui a initié ce colloque. Je remercie aussi les conférenciers qui ont puisé dans les profondeurs des informations pour nous les présenter aujourd'hui. Alors, si j'ai pu m'exprimer aussi ainsi, je peux dire que l'enseignant doit être un petit Jésus, comme l'a dit tout à l'heure l'abbé Michel dans son exposé. Vu ce que nous avons entendu dans les interventions. Quant à M. Diol, il a dit qu'il fut des temps que les enseignants étaient vraiment mis vraiment dans de mauvaises conditions, surtout par rapport au salaire. Et moi, je peux aussi apporter un témoignage. Au début, quand on était tout nouveau enseignant, on guettait nos directeurs devant le portail de Daniel Brodier. Parce qu'en ce moment, la guide était à Daniel Brodier. Et là, on attendait toujours le directeur. Dès qu'il sortait, soit il nous donnait le salaire, ou bien il nous disait « Ah, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il faut aller jusqu'à où on touche. » Donc aujourd'hui, je pense que c'est le mauvais souvenir. Donc, je puis dire que vraiment, l'ONECS a connu vraiment de gros efforts. Et qu'il en soit ainsi pour toujours. Alors, aussi au niveau de l'exposé de M. Dion, donc je n'ai pas entendu parler de la caisse de solidarité. Et là aussi, je pense que c'est un point très très important. Parce que la caisse de solidarité a connu un passé vraiment qui n'était pas des meilleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'en a pas parlé. Peut-être c'est une omission. Caisse de solidarité, je ne me suis pas étendu là-dessus. Et j'en ai parlé. La caisse de solidarité est née d'une situation un peu particulière pour sa jeunesse. C'était suite au décès accidentel d'un enseignant, M. Lucien Bailly. Nous étions à la lame pour l'enterrement.
Et on se demandait ce qu'il fallait faire pour les condoléances. Et la discussion était très chaude entre 500 francs et 1000 francs, à telle enseigne que la foule nous regardait. J'ai pris la parole et j'ai dit, ça suffit, on ne vous demande plus rien. Le SNES, le BEC, que j'ai dirigé, j'ai dit, le BEC va donner ce qu'il faut pour les condoléances. J'ai appelé M. Tim, il est là. Je lui ai dit, il faudra nous préparer une enveloppe, on va la donner. Après, je vais écrire aux enseignants pour voir s'ils vont souscrire, pour qu'on vous rembourse. Et c'est dans le prolongement que, dans le courrier, j'ai demandé qu'on institue un fonds de solidarité pour n'avoir plus à vivre des moments pareils. Ces prestations ont été limitées aux événements douloureux. C'était difficile d'envisager autre chose. Donc, c'était présenter les condoléances. En cas de sinistre, également intervenir. Nous avons, avec ce fonds, je l'ai dit, permis à un moment donné de préfinancer l'achat d'ordinateurs pour les enseignants qui le désiraient à un moment donné. C'est tout ce que je peux dire de ce fonds parce que il est toujours, à ma connaissance, administré par le BEP. C'est tout ce que je peux en dire. Maintenant, des moments difficiles, effectivement, il y a eu des retards. Mais parfois, par rapport à certaines condoléances, l'information ne passait pas normalement. Ensuite, c'était peut-être de manière cyclique. C'est-à-dire, on attend deux, trois cas, on fait un décaissement, on va présenter les condoléances. Et une des approches que nous avions choisies, parce qu'on en avait parlé, c'était de ne pas amener cette enveloppe avant le décès ou le jour du décès, au risque de ne pas vraiment aider l'individu qui était, qu'on avait choisi de donner un peu après. C'est peut-être cela qui a allongé la période d'attente dans certains cas. Je ne sais pas si ça vous va comme ça. Hein? Oui, mais c'était ça, c'était suite à un décès et ce jour-là, pour ceux qui se rappellent, c'était lamentable devant les gens et puis c'était à revoir. 1000 francs c'est trop, on ne veut que 500, presque ça. Voilà. Nous avons débordé d'une heure de temps. Nous demandons encore un peu de patience, plus que deux intervenants pour la clôture en fait du débat. Donc nous appelons Simon Diouf. Merci. Je m'appelle Edouard Simon Diouf. Je suis enseignant à l'école Daniel Bourouchi. Je me réjouis avec toute la famille éducative de Thiès. En ce jour, ou en cette année, nous célébrons le jubilé d'or de l'ONEC de Thiès. Une réflexion m'est venue tout à l'heure, après l'intervention de M. Ndiom. Certains de nos collègues se trouvent parfois dans des difficultés. Des difficultés souvent liées à des problèmes familiaux, ou bien, comme il a dit tout à l'heure, souvent à une dépendance de l'alcool. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui, 50 ans après, que le maître de Thiès puisse trouver des voies et moyens pour suivre, assister et soutenir ses collègues, quitte même à trouver un psychologue, quelqu'un qui va suivre certains qui sont dans des cas un peu difficiles. Et nous avons vu souvent
Ces problèmes se terminent dans des situations un peu tristes. Je pense que 50 ans après, c'est bon de trouver un accompagnement pour certains qui sont dans des problèmes. Merci. Cela a été fait. Cela a été fait. C'est-à-dire, certains qui avaient de sérieux problèmes avec l'alcool, une addiction assez prononcée, bien souvent, nous avons effectué des visites auprès de ces gens, auprès de leur chef d'établissement. Et ensuite, pour certains, lorsque cela était possible, nous avons individualisé l'accompagnement. Ça, c'était le travail du BEP. Et c'était pour éviter justement un travail que le BEP faisait pour éviter les demandes d'explication avec ce que cela entraîne comme suite. Chaque fois que nous étions saisis d'un problème où l'alcool était à la base du différend avec le chef d'établissement, nous faisions systématiquement une visite dans cet établissement pour discuter avec le chef d'établissement, mais également pour discuter avec toute l'équipe. Et nous y allions à l'époque, après nos cours de 18 heures, c'est pour dire à quelle heure on rentrait. Nous n'étions pas véhiculés. Mais ce travail a été fait. Et aujourd'hui, cela peut se continuer et doit se continuer. Mais il faut quand même reconnaître que il y a encore des cas, mais ce n'est pas comme avant. Alors, Abel, si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, un accompagnement intégral, c'est-à-dire comprenant tous les volets qui touchent la vie de l'homme. En ces temps qui sont les derniers, ces temps qui courent, nous expérimentons davantage la complexité de nos sociétés d'aujourd'hui. Cela signifie quoi? Il faut lutter contre l'individualisme, mais il faut aussi des moyens et d'outils d'accompagnement des personnes dans les familles et dans les structures. Nous sommes ouverts, en tout cas, à cette nouveauté. Nous y réfléchissons déjà. Mais en attendant que nous ayons des psychologues dans nos écoles ou bien à la direction centrale, nous travaillons avec les structures compétentes quand nous éprouvons la nécessité d'y conduire un agent pour un accompagnement. Ça se fait. Ça se fait. Et nous redoublerons de vigilance pour que ceux qui sont dans ces cas puissent avoir un accompagnement conséquent. Merci. Merci, Abbé, pour ces éclaircissements. La parole est à Mme Patrick. Expliquez-moi. Abbé Michel veut. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, ce n'est pas la question de l'alcool seulement qui intéresse, mais la question du suicide aussi. Je crois que c'est une question grave. Il faut tenir à bras le corps et que l'accompagnement soit fait avant, pendant et après, même pour les coéquipiers, même pour l'équipe dans laquelle l'enseignant était. Je crois qu'il faut nécessairement le faire. Nécessairement le faire. Pour moi, la question de l'alcool, je ne sais pas si c'est clair, mais le suicide dans l'école catholique, ça pose problème. Donc, il faut prendre ça au sérieux. En tout cas, j'ai écouté trois excellentes réflexions. Ils se complètent et s'enrichissent. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Abbé Michel a dit à la fin qu'il était dommage
ou en tout cas regrettable qu'il y ait une seule personne au niveau des RH. C'est pour dire peut-être que les coordonnées sont mal chaussées. Lorsqu'on voit que la gestion des RH c'est attirer le personnel, donc du début à la fin, développer ces agents qu'on a attirés avec le recrutement, les motiver et enfin les satisfaire pour que les gens ne soient pas intéressés à claquer la porte et démissionner. Alors, Abbé, donc, vous confirmez que le cœur de Dieu ici est mal chaussé. Merci beaucoup. Alors, l'autre chose que je voulais dire, je crois qu'Abbé a précisé ça, et parlons de la sanction, je pense qu'il a rappelé la hiérarchie un peu, que les gens ne viennent pas tout simplement, il s'est passé une chose, voilà, il faut t'expliquer. Et il semble que dans la réaction du manager en cas d'erreur ou de faute, il faut laisser passer la colère et se mettre à côté de l'agent, pas en face de lui pour le juger, mais c'est l'amener à reprendre ce qu'il a fait avec succès. Donc je crois qu'ici, avant d'écrire pour que les gens s'expliquent, il y a cette démarche qui consiste à écouter l'autre, à essayer de le sensibiliser. En tout cas, je crois, le CP l'a dit, et c'est aussi un outil de gestion quand même pour le responsable. Et à un moment donné, il est important d'écrire parce qu'on a dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Voilà, c'est ce que je voulais apporter par rapport à ça. Maintenant, je vois notre assemblée et je me dis que par rapport à notre culture, on a vraiment une maturité qui se voit, parce qu'on dit que la culture d'entreprise c'est un phénomène collectif, donc c'est l'affaire de tout le monde, nous sommes là massivement représentés. C'est également une activité symbolique et je vois qu'on a un tissu, on a un logo, on a beaucoup de choses que nous partageons avec le gars, on s'habille ensemble et c'est vraiment merveilleux. C'est une transmission et on a hérité beaucoup de choses des anciens. Aujourd'hui, on a dit qu'on a 50 ans, on a écouté M. Nguyen, on a beaucoup de valeurs en commun que nous transmettons aux générations à venir. C'est une cohérence interne, voilà, parce qu'on ne peut pas, les gens ont fait comme ça, on change, on prend un autre chemin. Mais ce qui a été transmis, c'est ce qui est aujourd'hui et ce que les gens valorisent et que les gens entretiennent. C'est également un environnement interne. Je crois qu'elle avait revenu sur la RSE et RSO. Donc, on ne peut pas développer des valeurs qui sont contre le développement durable. En tout cas, veiller à tout ce que cela soit maintenu pour les générations futures. Alors, j'ai retenu deux interpellations. Je pense que la Bijo a souligné le fait que quelquefois, on ne voyait pas les agents pastoraux ou les gens ne sont pas là les week-ends. Et je crois qu'Abbé Michel a posé cette question-là. Et moi, je crois qu'il serait bon de se demander l'arbre des causes. Qu'est-ce qui explique que ces gens-là, souvent, on a du mal à les voir? Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi on se demande où sont ces agents-là? Voilà. Et l'autre aspect, c'est vrai, hein, quand vous parlez de... dans la doctrine sociale, j'ai parlé de serviteurs, oui. Et on a dit aussi que l'ouvrier mérite son salaire. Et il est vrai que n'y a pas de hiérarchie, mais on sait que avec les catégories socio-professionnelles, on a des ouvriers, on a des employés, et c'est normal, on a des agents de maîtrise, on a des agents d'encadrement. Et donc, il peut arriver, je crois que le site d'employeur ne va pas me contredire, qu'un agent, qu'un employé soit un responsable, en tout cas qu'il encadre des gens, parce qu'il a été formé, il est devenu. Alors, ce que je demande à l'abbé Michel, vous avez évoqué Maslow également, maintenant, quel serait l'accomplissement pour ce serviteur-là qui s'est donné corps et âme, qui s'est sacrifié pour le devenir de l'institution? Je vous remercie. Ben, je te réponds au mot, c'est le devenir de M. Abel qui est là. C'est ce qu'on m'avait servi il y a de cela quelques mois, dans cette salle même, durant un colloque de notre jubilé. C'est vrai, le plan de carrière, elle a bien parlé, mais elle n'a pas osé prononcer le mot. La personne s'engage, s'investit, fait tout son possible pour la bonne marche de l'entreprise. Quel serait son accomplissement?
son accomplissement. Je l'ai écrit dans le texte, mais je ne l'ai pas dit. L'Église mise pour le durable. C'est pourquoi souvent nos enfants, en tout cas il y a de cela quelques années, tous les enfants des enseignants étudiaient dans l'école catholique gratuitement. C'était une option. On voulait que ces enseignants, ces enfants, puissent une fois grands prendre la relève. Mais je pense que ça a changé depuis quelques années. Tous les enfants n'étudient pas gratuitement. Au moins, c'était jusqu'en terminale, dans tout le système. Après, il y a eu des restrictions, restrictions, des restrictions en restrictions. Maintenant, je crois que nous n'en avons pas beaucoup. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, l'enseignant catholique devra se sentir fier. Et je me dis, je l'ai entendu quand je faisais l'enquête, il y a un d'entre vous qui m'a dit, mais à quoi bon penser à demain si aujourd'hui n'est pas assuré? C'est vrai, à quoi bon penser à demain? Mais est-ce qu'aujourd'hui n'est pas assuré? C'est ça la question. Ce que nous recevons, est-ce minime, désastreux ou bien insuffisant? Ça dépendra. Monsieur Abel ne dira pas ça. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on en arrive à une gestion des ressources humaines personnalisées. Et une seule personne ne peut pas faire advenir ce règne-là. On m'a chahuté tout à l'heure parce qu'en assemblée du presbytère, j'avais donné une proposition. Je crois que l'abbé Pierre Aïe l'avait bien accueilli. Et je ne jugeais pas bon de revenir là-dessus. Mais je reviens là-dessus. La proposition est la suivante. Les enseignants n'aiment pas trop aller dans les zones les plus reculées. Pourquoi? À cause des heures supplémentaires. À cause du hamam. J'ai dit, pourquoi pas donner une prime à ceux qui sont loin. Il paraît que la prime existe, mais la prime n'est pas très formalisée. Mais je pense qu'il faudrait qu'on gagnerait à formaliser cette prime pour que les enseignants de la ville, pour que les enseignants de la zone rurale ne pensent pas venir tout le temps en ville. Et qui va amener, ce qui va amener d'ailleurs des problèmes. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des problèmes au moment des arrestations. La question de Marie-Lucienne, j'y reviens. Je crois que le premier accomplissement, c'est de savoir qu'on appartient à un corps qui nous soutient, qui nous aime, qui nous apprécie et qui sera proche de nous. C'est pourquoi j'ai aimé l'accompagnement intégral. Mais je ne me limite pas à l'accompagnement intégral. Je joins à cet accompagnement intégral une proximité réelle que les gens de la DIDEC, que les gens de la DIDEC ne se voient pas tout le temps indexés. Parce qu'ils ont l'argent et alors qu'ils ne travaillent pas l'argent. Alors, c'est faux. Mais ce sont des préjugés qui sont là et qui mine notre honneur. Et il y a beaucoup de préjugés pareils. Beaucoup, beaucoup. On ne communique pas assez. Il n'y a pas de transparence. Et je crois que l'accomplissement commence par la transparence. Les employés ont besoin de savoir combien ils ont gagné pendant l'année. Et de savoir qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que le bénéfice? Nous sommes à but non lucratif. J'en ai parlé dans la conclusion, c'est du greenwashing. Si jamais nous ne respectons pas la doctrine sociale de l'Église. Mais n'oubliez pas que c'est une œuvre d'Église et qui devrait aider l'Église. Alors ne l'oublions pas.
il n'y a pas que les enseignants. C'est vrai que c'est vous qui faites la ressource. Vous devriez profiter de cette ressource. Mais vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, il y a de cela quelques années, c'est dommage que M. Joachim n'ait pas raconté cette histoire. Il y avait des moments où la DETEC était en faillite. Qui a supporté? Les prêtres qui se sont privés de tout. Et on prenait la subvention des prêtres pour payer la dette de la DETEC. On n'en parle pas assez, et pourtant c'est de l'histoire. Merci. Il disait que ce qui nous manque parfois, c'est une conscience claire de ce qu'est l'école catholique et le courage d'assumer ce qui la distingue des autres écoles. Voilà, ceci me donne l'occasion de rappeler, vous le savez déjà, il me semble que l'école catholique doit être ce miroir sur lequel on doit pouvoir lire l'Église dans la société. Voilà. Et qui dit miroir doit dire que tout le monde doit contribuer à faire en sorte que le miroir continue de refléter ce qu'est l'Église. Chacun personnellement et nous tous ensemble au niveau de l'école, les enseignants, les responsables au premier plan, les élèves, les parents d'élèves, etc. C'est pour dire que je voudrais que nous tous ensemble, nous travaillons à ce que notre école continue d'être ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Nous sommes tous au courant de certains remous qui ont eu lieu dans l'école au niveau du Sénégal, notamment à Dakar, ça s'est passé ailleurs. Et j'ai envie de dire, et si demain, ça arrivait au Collège Saint-Gabriel, au Collège Saint-Ursule, ou à l'école Sainte-Anne, ou ailleurs dans le diocèse. C'est-à-dire, ce qui me paraît être cette envie d'accaparer ce qui est à l'Église et d'imposer à l'Église ce que d'autres voudraient que l'Église soit ou que les biens de l'Église soient, notamment son école, qui est pour moi le miroir où on doit lire l'Église dans son identité, dans son action, dans son être, l'identité de notre école. Ça va être, nous voulons le voir. Plus tard, nous voulons un lieu de prière. Ça va être une salle où on peut faire autre chose. Après, ça va être, nous voulons une mosquée à l'intérieur. Après, nous voulons que pour être directeur, il y ait élection. Nous voulons que, et après, ça devient je sais quoi. Et c'est pourquoi je voulais profiter de la rencontre pour, je ne sais pas, à qui il faut le dire, à l'abbé Pierre et à ses collaborateurs et au plus haut plan. Il faudrait peut-être que nous travaillions déjà à avoir notre discours ou notre position claire sur certaines questions qui guettent aujourd'hui l'Église dans son bien, dans son école par exemple. Ça peut être plus tard dans son dispensaire, ça peut être plus tard dans son hôpital ou ailleurs. Un discours clair, bâti par l'Église à tous les niveaux, par les responsables, en collaboration avec ceux qui vont être confrontés à ces questions chaque jour, parce qu'ils sont sur le terrain, et c'est vous les enseignants, que vraiment nous ayons un discours clair, un avis clair que nous pouvons servir et qui puisse servir de barrière à tous ceux qui voudraient nous causer peut-être quelques difficultés dans ce sens-là. Parce que je suis convaincu et j'ai l'impression que le cas de Dakar, par exemple, cette question-là n'est pas bien réglée. Elle n'est pas bien réglée et elle peut survenir à chaque rentrée scolaire. Parce que diminuer le voile ou le couper à moitié ou couper aux deux tiers, pour moi, ça reste un voile. Par exemple, je voulais, avant de terminer, l'abbé a parlé de l'école dans la paroisse. Nous faisons le tour des diocèses, nous, quand je parle, nous, je parle en termes
responsabilité catéchétique au niveau du Sénégal. Nous faisons le tour des paroisses. Ces temps-ci, nous sommes en tournée auprès de l'école catholique pour travailler un peu à renforcer quelques capacités en matière de catéchèse. Nous nous rendons compte de comment, par exemple, les relations entre l'école et la paroisse sont vécues. Je voudrais bien qu'à partir de ce colloque, que la possibilité soit donnée aux responsables de la DIDEC avec les responsables des paroisses de voir comment vraiment arrondir certains angles pour que nous n'entendions plus de difficultés catéchétiques liées à les enfants de l'école doivent retourner à la paroisse ou bien au moment d'évaluer les enfants, il faut que tous retournent à la paroisse ou que voilà, il y a beaucoup de questions liées au relationnel entre paroisse et école. Alors que l'abbé nous a rappelé que l'école est dans le territoire paroissial, donc appartient à son sphère pastorale. Le curé doit faire partie des organes dirigeants de l'école catholique qui est dans sa paroisse ou bien son représentant. Ou faire partie d'un conseil qui réfléchit souvent sur comment développer l'école davantage. Et l'aumônerie, il faudrait que nous revenions à davantage mettre l'accent sur l'aumônerie de l'école. Il ne s'agit pas simplement de dire, de célébrer une messe à l'ouverture, une messe à la sortie, mais l'aumônerie, c'est de veiller à ce que l'école puisse vraiment être spirituellement animée. Je me rappelle quand on nous faisait des récollections, on nous forçait à venir nous confesser. Tout ça faisait partie de l'animation spirituelle de l'école. Il faudrait, monsieur l'abbé, que peut-être vous voyez Abou Pierre Aïe. Je ne l'ai pas vu. Que vous essayez d'encourager les prêtres. Vous en êtes un. Et c'est une chance pour nous. Je crois qu'un prêtre puisse parfois diriger des instances comme ça pour que cette identité chrétienne que des laïcs peuvent aussi promouvoir, ça c'est évident, mais que c'est une chance que l'abbé Pierre puisse aussi travailler dans ce sens-là. Et avant de finir, je voulais remercier tous les pionniers de l'école, tous les pionniers de l'école qui l'ont signalé, remercier tous ceux qui l'ont eu en charge, les anciens directeurs, remercier également les enseignants que vous êtes aujourd'hui dans l'école de catholique de Thiès, et féliciter vraiment pour le jubilé. Féliciter pour le jubilé, vous l'avez si bien continué, et je souhaite que vraiment notre école au niveau de Thiès puisse aller toujours de l'avant. Nous qui faisons souvent le tour, nous savons la valeur de l'école de Thiès. Merci. Je ne ferai pas l'injure à cette belle assemblée et toutes ces autorités de ne pas dire un mot de bonjour, un mot de merci et de reconnaissance et aussi ma prière pour ce que c'est. Ça fait vraiment beau. Lucien l'a abordé dans sa phase, la culture de l'entreprise, c'est important. La culture de l'entreprise, c'est ça qui fonde l'identité. C'est, si vous voulez, c'est la marque autour de laquelle tout le monde se reconnaît. Cette marque qui est émue de valeur et qui est traduite en normes de conduite, droits, obligations que aussi a essayé de partager avec nous. Le tout qui permet d'éclairer la pratique. Ce que M. Lyon a essayé de nous montrer à travers une rétrospective, mais une rétrospective assez vivante pour montrer que c'est un chemin. Un chemin est toujours parsemé d'embûches. Et c'est là où il y a de la valeur. Ce n'est pas parce qu'on a résolu tel problème qu'il disparaît définitivement. Il va renaître sous une autre forme. C'est aussi la marche même de l'homme. La dynamique de résolution de problèmes, vous le savez mieux que moi-même, elle est au cœur de la problématique même de la vie. Et il faut le voir comme tel, positiver, se réjouir des avancées, ne pas trop regarder dans le rétroviseur, sinon que pour mieux comprendre aujourd'hui et se projeter pour demain. En tout cas, c'est ça que je lance. L'école est une école de l'Église. Elle doit servir l'Église et elle sert l'Église à tout point de vue. Je pense que la Bible vous a dit un moment,
les prêtres sont sacrifiés, le diocèse a aidé à. C'est tout à fait normal, c'est l'Église qui en répond. Je crois savoir également que l'enseignement contribue aussi, à son tour, rend service de plusieurs manières. De plusieurs manières, il faut que ça continue comme tel. Les acteurs sont un cœur de l'action. Le personnel, les agents, de tout niveau, il faudra qu'on veille, il faudra veiller toujours davantage à moins créer une forme de tristesse, parce que l'enthousiasme, lorsqu'un homme l'a perdu, il a tout perdu. L'accomplissement ne va jamais arriver, parce que la reconnaissance déjà, la reconnaissance, on n'aura même pas réglé la question de la reconnaissance. Si la question de des besoins primaires n'est pas réglée, il ne faudra pas espérer autre chose. Dans la pyramide de Maslow, il ne faut pas la concevoir, les cinq niveaux-là, il ne faut pas les concevoir comme « bon, il faut d'abord régler celui-ci avant de passer à l'autre », c'est de manière dynamique et intégrée. On peut trouver l'accomplissement, même si on pense qu'on n'a pas réglé la question de la subsistance de tous les jours. Hein. C'est une discussion intérieure. Et voilà pourquoi, moi, l'appel que je vous lançais, un peu, c'est de rester toujours confiant, avoir la confiance en Dieu d'abord, parce que l'œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur, avoir la confiance en soi. Et en cela, nous pouvons garder en mémoire les paroles de Choukoura, c'est bien, du chanteur Bob Marley, qui disait que on ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'au moment où rester fort devient sa seule option. Donc, en nous, il y a cette force-là que le Seigneur a mise en nous, en tant que baptisé, en tant qu'homme et en tant que baptisé, il faudra s'adosser, justement, puiser aux sources de la foi et tout, pour continuer à s'y accrocher. Mais avoir la conviction qu'on peut y arriver, M. Tim a un peu donné son histoire. Il y a cru, beaucoup d'ici y ont cru, dans le préscolaire, si je peux me permettre de prendre cet exemple-là, ça a été le cas, ainsi de suite. Continuer dans cette lancée-là pour pouvoir avoir l'accomplissement. C'est le développement personnel qui est aussi doublé d'un développement professionnel. Et c'est en cela que la direction ou l'administration centrale va veiller à ce que les 4P ou 4M du management puissent vraiment aller de manière très équilibrée. C'est l'aspect management, organisation, la direction, si vous voulez, pour résumer, c'est l'aspect manufacturing, les produits ou plus exactement les services. Quel est le niveau de qualité? Quel est le niveau de qualité à maintenir? C'est l'aspect aussi des personnes, même des hommes. C'est fondamental. Comment on gère le personnel? Dans la gouvernance, comment on prend en charge les questions liées au personnel? C'est l'aspect money également. Sans argent, ça n'irait pas. Et c'est en cela, je m'arrête encore à cela, l'entreprise ici, c'est bien et bien une entreprise à dimension sociale. Il faut qu'elle fasse du profit pour pouvoir servir la cause sociale. Le social et l'économie, bon, il n'y a pas l'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Et enfin, il y a la dimension marketing. C'est la dimension, le 5e M. Le marketing, c'est tous les moyens qu'on utilise pour pouvoir produire la qualité au meilleur prix, le placer au bon endroit, au bon moment, et ainsi de suite. C'est ça qui va faire dans la durabilité pour que, par rapport à la responsabilité sociétale, exactement dont vous avez parlé, les entreprises ou les organisations, que les 3P également puissent subsister pour que ce soit du développement durable. C'est le profit, il faut faire du profit. C'est le people, il faut que les hommes ils s'y reconnaissent. C'est aussi la partie environnementale, tout simplement planète, que les ressources d'aujourd'hui ne soient pas seulement au service de ceux qui sont des contemporains, on passe aux générations futures. Pour ça, l'enseignement et les autres organisations, surtout l'enseignement que je connais bien, quelque part, c'est une entreprise. Ça fonctionne comme une entreprise. Elle a comme premier fondement juridique tous les textes de l'Église, parce que c'est un élément qui appartient à l'Église, qui trouve également sa création dans la structuration de l'Église. Et d'un autre point de vue, je parle sous votre contrôle en tant que juriste, c'est régi aussi par les textes de droit. Et on va rentrer dans les trucs commerciaux et tout, il faudra assez bien manipuler les deux pour que vraiment il n'y ait pas un handicap que l'Église, dans ses prérogatives par rapport à la chose, n'arrive pas à scier la branche sur laquelle elle est assise en n'étant pas à cheval par rapport à ses obligations d'un point de vue droit commun, ou si vous voulez, droit commercial, ou si vous voulez.
et c'est fondamental. Et la préoccupation, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de menace? Est-ce que la menace n'est pas réelle pour que le Concile Vatican II, qui à partir de 65 a vu vraiment opérer l'agirement au niveau de l'Église, si je l'expression, l'approche est bonne, donc toute une révolution, est-ce que quelquefois ben, on ne le construit pas un peu dans le sens où, ben, j'ai l'impression qu'il y a un peu de trop d'Église, un peu de trop de magistère, là où il ne le faudrait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement tendancieux vers une forme de clericalisme? Je m'excuse. Merci. Après, vous pouvez répondre. Juste pour évoquer le problème du voile soulevé par l'avènement. Le problème s'est déjà posé à Saint-Gabriel et nous avons renvoyé les élèves. Les parents sont venus, le colonel de police qui s'est fait accompagner. C'était du temps du frère Henri. Le parent d'élève est venu me voir pour poser le problème. Je lui ai dit qu'il était mieux placé que moi pour savoir ce qu'était un uniforme, vu qu'il était policier. Et que les textes étaient très clairs là-dessus. À l'époque, c'était pantalon et chemise, ou bien jupe et chemise. Il n'y avait rien de plus, ni casquette, ni autre. Le problème religieux qui a été évoqué, je l'ai balayé. Monsieur Sambadia, qui était musulman, était professeur comme nous, avait les mêmes droits que nous. Il dit on n'a pas de leçon à recevoir pour cela. Mais pour ce qui est de l'uniforme, nous, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème d'uniforme. Où l'uniforme est accepté, et on est élève du collège Saint-Gabriel, où l'uniforme n'est pas accepté, on va voir ailleurs. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense que la réponse est claire. L'école catholique ne discrimine pas en matière de religion. Si les gens l'évoquent, on a largement de quoi leur répondre. Mais vous savez que de grandes rencontres comme celle-ci ne peuvent pas se conclure en des mots, tout simplement. C'est pour tout simplement dire que le colloque devra se poursuivre de plus belle. Vous savez que tous les agents de l'ONEC ne sont pas dans la salle. Voilà. Parce que nous devions avoir un quota qui permet à chacun et à toute l'Assemblée d'être à l'aise pendant ces heures de réflexion. Et c'est pourquoi les établissements sont venus en délégation. Donc je compte sur la générosité des chefs d'établissement pour faire un après-colloque avec les agents qui n'ont pas pu bénéficier, en tout cas, de ces enseignements. Est-ce que vous me le promettez? Oui. Vous n'avez pas bien répondu parce que vous avez faim. Voilà. Je voudrais à la fin de ces rudes travaux du colloque me féliciter de la grande qualité de son déroulement. Dans mon mot d'accueil et d'introduction, j'avais décliné ces objectifs. Entre autres, celui de nous ressourcer, celui de poser un regard évangélique sur la réalité de notre école catholique dans le diocèse de Thiès, et celui de nous projeter, car le propre d'une belle et grande œuvre est de se perpétuer dans le temps. Personnellement, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup réappris. Et j'ose croire qu'il en est de même pour vous, ou non. L'école catholique a son identité propre, consubstantielle à la réalité de l'Église comme œuvre divine et œuvre de salut, comme nous le rappelait l'évêque. Les deux premiers conférenciers
les abbés Joseph Gay et Michel Bougatil nous ont largement entretenus sur l'identité de l'école catholique et sur les valeurs qui la sous-tendent, sans oublier les défis auxquels elle est confrontée, l'école catholique, les défis auxquels elle fait face devant les méfaits de la mondialisation et de la sécularisation croissante. Ils nous ont rouvert l'évangile de l'école catholique, pour le dire ainsi, et l'ont adapté à notre contexte propre, le contexte du diocèse de Thiès. Monsieur Dion nous a présenté une mémoire vive du dialogue social. Là aussi, j'ai personnellement beaucoup appris en tant que responsable. Les fruits du dialogue social sont un patrimoine de l'Église diocésaine et de l'évêque de Thiès. Je suis content d'en découvrir la richesse reposant sur les acquis et m'engage personnellement à poursuivre le dialogue avec les syndicats. Le droit de se syndiquer ou de s'associer étant fondamental dans l'Église catholique et partant dans les structures de l'Église catholique. Le colloque tenu le 19 février 2020 et après, la question, je me la pose, mais aussi je vous la pose. Les appels sont venus des autorités étatiques, je veux parler de l'IA, mais aussi des autorités diocésaines, des conférenciers, mais aussi des participants. 50 ans, c'est l'âge de la maturité, dit-on, mais c'est aussi le repère sur le chemin de la vieillesse. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Alors, dans la solidarité et la concorde, travaillons à rendre notre mission de l'école catholique plus incisive et plus prospère. Je voudrais, à la fin de mon propos, remercier les autorités qui nous ont fait l'honneur d'ouvrir ce colloque. En premier, le premier responsable de l'éducation dans le diocèse, Son Excellence Monseigneur André Gueye, l'IA de Thiès avec toute sa délégation. Je voudrais aussi remercier les supérieurs majeur, j'en vois un, c'est le révérend frère Étienne K, provincial de la congrégation des frères de Saint-Gabriel. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle. En tout cas, il sera notre porte-parole auprès des supérieurs majeurs pour leur dire toute notre fierté et notre joie de collaborer avec les congrégations qui ont, je dois le dire, amorcé en tout cas la mission de l'école catholique au Sénégal et dans le diocèse de Thiès. Je voudrais remercier ceux qui m'ont précédé à la charge. J'ai cité ce matin l'abbé Ambroise, monsieur Pascal Mbaye, qui a pris la parole tout à l'heure. Une parole pleine de sagesse, parce que expérimentée. Je voudrais que nous nous inclinions devant la mémoire des autres prédécesseurs, en l'occurrence le frère Gustave Monoron, rappelé à Dieu il y a 3 ans. Il était frère de Saint-Gabriel, c'est lui le premier directeur de l'enseignement catholique de Thiès.
mais aussi devant la mémoire de Monsieur Jacques John. Nous avons cité son épouse, qui est pour nous, à Jean Dolodec, une mère et même une grand-mère. Je ne sais pas si elle est toujours dans la salle ou elle n'était pas venue. Voilà. Je voudrais remercier le comité scientifique du jubilé qui a eu l'ingénieuse idée de ce colloque béni par le Père évêque. Il y a un comité scientifique du jubilé d'or. Je remercie le comité ou le sous-comité du comité scientifique chargé de la pédagogie et piloté par Monsieur le conseil pédagogique Paul Amour Tchou, qui ont organisé ce colloque et qui auront aussi à organiser d'autres activités liées à leur cahier de charge. Je remercie en votre nom nos brillants intervenants pour la qualité d'or de leurs enseignements et témoignages. Je voudrais vous inviter à les applaudir encore. Merci au MC, merci aux modérateurs. Merci aux chefs d'établissement qui ont mobilisé le personnel. Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, je compte sur vous, ou bien le colloque compte sur vous, pour que vous puissiez partager les fruits, en tout cas de ce colloque, à tous les agents qui n'ont pu venir. Merci au personnel de l'école Saint-Augustin qui a appuyé de manière conséquente, en tout cas, l'organisation de ce colloque. Merci aux partenaires, merci aux services et structures diocésains, merci aux services diocésains de la communication dirigés par l'abbé Armand, merci à tous ces partenaires et collaborateurs, merci aux autres médias pour la couverture de ce colloque, merci à la direction des œuvres pour la sonorisation partout l'hiver. Merci à la procure diocésaine qui administre cette salle, qui gère cette salle. Merci à vous tous, agents de l'ODEC. J'ai tenu à magnifier votre dignité devant le premier responsable. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, c'est une réalité. En 50 ans, l'organe d'évangélisation qu'est l'école catholique a beaucoup prospéré. C'est grâce à vous, les agents. Je tiens à vous remercier de manière spéciale. Je tiens aussi à vous inviter à redoubler d'efforts. Nous avons vu comment, pas à pas, avec les efforts des uns et des autres, mais aussi avec l'engagement basé sur la foi des pionniers et de tous, nous avons vu comment nous avons fait rayonner l'Évangile à travers l'école catholique. Que cela se poursuive de plus belle. C'est un souhait, mais aussi c'est un appel. Je voudrais conclure, sans conclure, en implorant la bénédiction du Seigneur sur chacun et chacune d'entre vous, sur vos familles respectives, pour que le Seigneur fructifie le travail de nos mains pour sa plus grande gloire et pour le salut de l'humanité. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je déclare clos le colloque.